moi on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo test. Ça fait longtemps. Et puis voir dans le titre, je vais tester les deux nouvelles palettes de Ayo Coralie puisqu'elle a recollaboré avec Beauty Bay. Je suis très contente. Alors je vous avouerai que j'étais pas intéressée de base parce que j'ai beaucoup de palettes. Je me suis dit non, n'achète plus rien. Et là j'ai une refolie où j'ai envie de racheter du maquillage. Pas trop trop, ça dépend, je fonctionne au coup de cœur. Quand j'ai vu sa vidéo où elle présentait les swatchs etc, enfin les palettes, j'ai craqué. Et je me suis dit je les veux, donc je les ai achetées. Donc voici le packaging. Très très belle palette. Enfin très très beau packaging, je vais y arriver. Vous avez deux côtés. Donc là vous avez un côté un petit peu plus rock, sombre et émo etc. Et là le côté un petit peu plus doux. J'aime beaucoup les petits détails. Je sais pas si on verra bien. Voilà, je vous montre ça de près. Voilà. Et le derrière. Deux palettes. Non, elles sont trop mignonnes. On va commencer par la plus sombre. Donc c'est celle-ci. J'ai oublié de préciser, elle s'appelle My Freaky Diary. Et celle-là c'est Rebelle. Celle-là c'est Douce Romance. Je crois que c'est ça. Nébuleux secret. Ah bon, enfin bref, je vous montre le packaging encore une fois. Très très beau, j'aime beaucoup les dessins. Le Ayo Coralie, il est en relief. Derrière vous avez un petit texte au cas où. Je vous le mets, vous mettrez en pause. Voilà, je vais vous ouvrir. Voici la merveille. Ouh. En gros voilà quoi ça ressemble. Couleur, enfin en fait j'ai flashé quand elle a commencé je crois par celui-ci. On a la deuxième. J'aime beaucoup. Pareil les couleurs, l'univers est pareil toujours en relief. Derrière le texte est légèrement différent. Je vous laisse au cas où mettre en pause. Celle-ci elle est elle est merveilleuse. J'aime trop les couleurs. J'ai oublié de préciser dans sa vidéo où elle présente ses deux palettes, elle parlait qu'on pouvait associer en gros. Attendez, j'ai envie de rire parce qu'André m'a embêté. En gros on peut associer les deux palettes avec sa toute première qui est celle-ci. Et justement je vais la prendre aujourd'hui pour utiliser la lighter qui est ici. Voilà. Je vais commencer par la couleur slime qui est ce vert là. Oh punaise, j'ai à peine mis le pinceau. Oh regardez-moi cette pigmentation. Continuer avec le fard d'à côté, le serpent. J'ai envie de tenter en fait la première ligne tout simplement. Ah bah si je replante mon pinceau. Donc j'ai envie de tester un peu le violet là. Donc il s'appelle le dodo. Alors j'ai eu un petit problème avec... alors je sais pas si c'est... comment ça s'appelle? Si c'est le... mon pinceau ou l'anticerne. Mais en fait quand j'appliquais le violet ça faisait... quand j'estompais, tout partait et il restait un trait mais mal estompé et tout. Donc là j'ai pris un autre pinceau et ça a l'air d'aller mieux. Donc là en fait j'ai rajouté le noir qui est le 2009. Voilà. Et j'ai pas vraiment fini puisque j'ai envie de faire en gros un cut crease. Donc voilà, donc là on va dire que j'ai terminé le dessus. Alors c'est peut-être pas très très propre hein, n'est-ce pas? Regardez là c'est complètement n'importe quoi. Donc je vais rectifier après. J'ai ajouté celui-ci. Il me plaît bien. Il s'appelle Rawa. Mais qu'est-ce que c'est que cette texture? Regardez-moi ça. Je vais l'appliquer là. Ouf. Prendre le rose alors, qui s'appelle le superstar, j'ai oublié. Prendre la première, envie de mettre celui-ci parce qu'il m'intrigue de fou. Amis, voilà le rendu du maquillage. Alors j'ai fait plein de choses hors caméra, j'ai même rectifier des choses parce que ça n'allait pas du tout. Le fard ici, j'ai juste mis en gros. Donc j'ai mis ce fard là. En gros, c'est le fard Bunny. Il est vraiment trop beau. J'adore. Mon avis final, même si j'ai pas fait les swatchs de tous les fards, mais elle est trop bien. Les palettes sont vraiment très très bien. Vous pouvez constater que la qualité, enfin, voilà quoi. C'est merveilleux. Ah oui, j'ai aussi. Mais de la lighter, de la palette que je vous ai dit, bah c'est pareil à Ayo Coralie. Sauf que j'en ai mis un peu trop, donc je l'ai re-estompé. Bien, ça m'embête juste de pas avoir la paupière comme ça, quoi. Regardez, on verrait mieux.
On voit pas. Je me fais repérer des yeux. Donc moi je vous fais des très très gros bisous. Très gros bisous. It's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done.